Eh bien bonjour, voici Serge d'Orion Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle, une Buick aujourd'hui, une Buick Riviera de 1964. Voilà, coupé de porte, hardtop évidemment, blanche, intérieur bleu, très belle voiture. J'en ai pris pas mal de photos, je l'ai inspecté, et ce que je vous propose c'est de venir avec moi faire un essai de conduite. C'est parti, contact démarreur, impeccable. Elle est chez un de mes partenaires ici à près de Seattle, au sud de Seattle. Et voilà, il vient juste de la recevoir, il m'en a donné la primeur. Il y a quelqu'un de Californie qui pousse derrière. Mais bon, c'est pas grave, pour l'instant c'est la mienne. Il vient de la récupérer. Il a dû réinstaller le carburateur, il y a un needle brock. C'est la seule modification technique apportée à la voiture. Et il a récupéré le carburateur ce matin, il l'a posé, il me dit voilà, je l'ai posé sur la pipe d'admission, mis le filtre à air avant que tu arrives, et puis voilà. Il m'a dit il est possible qu'il ait besoin d'un petit ajustement maintenant qu'il est monté sur la voiture, évidemment. En tout cas, elle a démarré impeccablement au quart de tour, donc ça s'annonce bien. On va un petit peu voir maintenant au niveau conduite ce que ça donne. Hein. Mais voilà, hop, un voyant de parking brake, c'est toujours bien, toujours bon. Voilà, relâche. Et c'est parti, boîte automatique, boum, boum, allons-y. Moteur V8 de 425 cubic inch et boîte automatique, donc je le dis. Voilà, hop là. Direction assistée, ça va de soi. Allez, on y va. C'est bien, ça marche, c'est l'avertisseur sonore. Je me suis amusé à le déplacer vers les basses vitesses pour voir s'il fonctionnait. Il fonctionne. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, c'est simplement un buzzer, hein, tout simplement. Hein. On règle, il y a une aiguille avec une petite boule au bout, on la règle sur la vitesse désirée à laquelle on tient à être averti, donc on a atteint cette fameuse vitesse. Hein. Ça n'a rien d'électronique ni d'électrique, c'est purement mécanique. Hein. Vous le réglez, et quand l'aiguille vient à sa hauteur, à son niveau, hop, ça déclenche un petit buzzer, un bruit très vilain, mais au moins qui fait son job. Alors ouais, je la sens. Ouais, il m'a dit que le moteur... on sent que ça c'est pas très 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 doux. Moteur peut-être vibre un petit peu, donc effectivement il aurait peut-être besoin d'un ajustement au ralenti, en tout cas, hein, parce qu'une fois qu'on accélère, une fois qu'on met les gaz, il devient vraiment vraiment doux, et il répond impeccablement, hein. Il répond même très très bien, hein. Il n'y a aucune hésitation à l'accélération, pas de vibration, rien, et des chevaux, hein, sans aucun doute, hein. Voilà, passage sur un passage piéton, une voie ferrée, tout en douceur. Ouais, ça déménage. Elle avance bien, l'ancienne, elle avance bien. Tiens, petit tour rapide des compteurs et instruments. Donc on a un compteur de vitesse qui fonctionne. Et dans celui-ci, on a tout simplement une jauge, une vraie jauge, hein, c'est la jauge d'essence qui fonctionne. Et on a simplement des voyants, pression d'huile, batterie et température. Ce qu'on appelle ici des idiot lights, hein, c'est-à-dire que c'est on ou off, hein, donc c'est allumé ou pas. Voilà, alors ouais, elle avance, hein, sans aucun doute. Transmission impeccable, hein, puisque en fin de compte on sent rien, on sent même pas les... Sauf si j'avais fait attention, quoi, mais en temps régulier, en utilisation normale, on ne sent même pas les vitesses passées. La direction est très 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 agréable, aucun jeu. Une voiture qui est vraiment facile à conduire. Et puis, niveau frein, je me souviens plus qu'elle a. Ouais, c'est puissant. Elle pointe très très bien, et hop, elle repart à l'accélération sans problème. Donc, très très sympa tout ça. Je regarde au niveau frein. Il me semble. Non, je ne vais pas dire de bêtises. C'est des tambours. C'est des tambours sans assistance, je pense. Hein. À vérifier, hein. À confirmer.
Voilà, ce que je n'ai pas testé, ce que j'ai testé, c'est les feux. Alors les feux sur la Vira, les Riviera 64, hein, beaucoup d'entre vous le sauront, très très sympa. Hein. On a ces grandes, ces lanternes, on dirait un petit peu, à l'extrémité des ailes, qui ne sont que les feux de position et clignotants. Et en feu de position, l'ensemble est allumé, et ce qui est très très joli, quoi. Et au milieu, les clignotants. Les feux, proprement dit, sont situés à l'intérieur, sur la calandre. On a les feux de croisement à l'extérieur et les feux de route à l'intérieur, ou l'inverse. Hein. Mais les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Enfin, tous les feux fonctionnent, en fait. Hein. Oh oh! Voilà, un petit peu patiné les roues arrière, pas de mal. La chaussée est légèrement humide. Bon, mais voilà, tiens, j'ai pas testé le klaxon. Voilà, fonctionne. Et je n'ai pas testé, je le ferai en arrivant. C'est tout ce qui est ventilation des embuages. Hein. Ventilation, chaleur, defrost. Ouais, je vois avec ça, il faut arriver. Je n'ai pas testé l'autoradio. Il n'a pas l'air d'origine. Non, non, il n'est pas d'origine. C'est un autoradio numérique, digital. Donc, voilà. J'entends, il fonctionne. Bon, bah oui, elle est très sympa. Hein. Maintenant que je vais la garer, on va faire une vidéo vue de l'extérieur. Je vais vous la décrire aussi. Ah ouais, volant réglable en hauteur, en 64, pas mal. Ça c'est mon téléphone. Allez, on la rentre au vert carillé. Leur voiture, c'est bon, on va s'arrêter là. Voilà, bien, et ben allons-y, allons voir un petit peu ce qu'elle donne de l'extérieur. Et bien la voici à l'intérieur, on est beaucoup mieux, on s'entendra mieux. Et la voici, donc à cette Riviera de 64 dans sa jolie peinture blanche. La peinture blanche, parlons-en, elle a été faite un certain nombre d'années, il faudrait que je me fasse rappeler le nombre, mais assez ancien, hein. Et elle a de très très beaux restes, hein. Ça n'a pas l'air du tout d'être une vieille peinture. Elle a un joli brillant, elle est bien tirée, et j'ai surtout pas noté de corrosion sur l'ensemble de la carrosserie, ni de rayures, ni de coups, ni de bosses. Comme une très belle peinture. Ce que j'ai noté, c'est déjà le nombre important de garniture sur cette voiture. Il y en a partout, comme ici, en bas, tiens voilà, peut-être l'unique défaut de peinture ici même, hein, à l'arrière de la fenêtre de la vitre arrière. Donc on a un petit peu une petite boursouflure, on va dire, là sous le doigt, et la peinture qui est un petit peu craquelée, mais c'est absolument tout. Et encore une fois, hein, des garnitures, des tours. Alors, bon, c'est une voiture de luxe, hein, à l'époque. Regardez un petit peu, il y en a absolument partout, et elles sont en parfait état. Voilà, autour des ailes, sur toute la longueur de la voiture. J'aime beaucoup aussi les petites entrées d'air, hein, à la base du pare-brise aussi. Alors, là aussi, avec de très très belles garnitures, et on le voit, hein, tout ça est en excellent état. Il y en a une longue aussi le long du capot. Voilà, ici même, avec le Air de Riviera. Voilà, vraiment très très esthétique. Bon, alors voilà, hein, ce nez de Riviera 64, hein, qui est vraiment particulier. Et voilà ce que j'expliquais, ce que j'appelais un petit peu une espèce de lanterne.
parce que l'ensemble de toute la surface de cette de ce feu s'allume. En fin de compte, il y a une ampoule en haut, une ampoule en bas. Donc on a vraiment l'impression que tout s'allume, relativement même uniformément, ce qui est du plus bel effet. Et au milieu, on le voit peut-être, où là en bas, je vois une ampoule un petit peu orangée, où là, on a le clignotant. Et donc voici ici, là, nous avons donc les feux tout simplement, hein, feu de croisement et feu de route, non, feu de croisement et feu de route, hein, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, un joli pare-choc, voilà, donc vraiment une jolie grille aussi en très bon état, et c'est vraiment, vraiment très très beau tout ça. Je ferme la porte. Voilà, c'est un peu plus silencieux. Très beau, très très beau pneumatique, hein, les pneus ont l'air quasi neufs. Les fameuses enjoliveurs aussi de Riviera sont magnifiques. Pneus avec liseré blanc. Voilà, ce grand pare-brise est magnifique et aucune fissure, éclat. Il est très très beau. Voilà pour la carrosserie. Alors encore une fois, hein, elle est nickel vraiment cette carrosserie. À part le petit point que j'ai noté là-bas en haut. Elle est nickel, hein. J'ai pris des photos des bas de caisse, bas de porte, etc. Pareil, l'arrière est très joli, de jolis feux, sortie d'échappement, un joli pare-choc chromé. Alors ce pare-choc chromé, voilà, c'est le seul point vraiment négatif que j'ai noté sur la voiture. Il est, on voit ici, il y a un grand jour ici qui ne devrait pas exister, hein, parce que voilà, par exemple, il y a facilement deux doigts entre cet endroit du pare-choc et le bas de la caisse, un peu plus d'ailleurs même, hein. Et si je compare ça avec l'autre côté, voilà, en fait c'est ce que ça devrait être, où vraiment il y a à peine un doigt, quoi, hein. Voilà. Et idem ici, je le trouve un petit peu décollé de la carrosserie, hein. Là aussi, pareil, hein, il y a cet espace, il y a facilement 2 cm ici, alors que de l'autre côté, non. On a un espace régulier d'un bon centimètre sur toute la longueur ici. Alors, ce pare-choc semblerait qu'il ait été tordu, comme s'il avait été accroché sur le côté et tiré vers l'arrière et écarté de la voiture. Et deux solutions, hein, c'est ou le pare-choc qui est tordu, qui est tiré vers l'arrière, ou c'est la carrosserie qui est trop en avant, mais ça n'a pas de sens puisque ça se verrait dans le coffre. J'ai pas vu de pliure, j'ai pas vu de traces d'accident, de coup. Je prendrai beaucoup de photos, je l'ai pas encore fait, du dessous de cet endroit là un petit peu pour qu'on voit un petit peu au niveau structure ce que ça donne. Donc j'insisterai bien sur ce point arrière droit, mais j'opterai plutôt pour l'option pare-choc tordu, plié, tiré vers l'arrière. Alors c'est une pièce, hein, c'est un gros pare-choc qui fait la largeur de la voiture, c'est une seule pièce. Non, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre, hein, puisque même à partir de là, il est déjà... Il s'écarte de la carrosserie. Donc vraiment, on dirait qu'à partir du milieu du pare-choc, il est ouvert. Ou alors, troisième option, puisque bon, on sait que c'est une voiture qui a été repeinte, il est donc très possible que les pare-chocs aient été remplacés, et peut-être avec des pare-chocs de qualité moindre, tout simplement, quoi. Je sais pas, je vais en reparler avec Roby, on en a déjà discuté, il sait pas trop non plus. Mais voilà, c'est comme je le disais, hein, c'est vraiment le point négatif le plus important, je dirais, que j'ai noté sur la voiture. Ensuite, j'ai noté aussi la porte côté conducteur, mais là c'est assez courant. On sent qu'elle accroche à la fermeture. Et encore, pas tout le temps. Non, là, elle se ferme même très bien. Des fois, on sent qu'elle accroche. C'est vraiment curieux aussi. On sent que quelque chose vient embuter avant que la porte se verrouille. Et pourtant, tiens là. Je sais pas si c'est pas la porte. C'est carrément c'est lui, là. Non, lui, il bouge pas. Donc, c'est lui, peut-être, qui se met pas complètement en position.
C'est bizarre. Là, non, là, non. Là, non. Impeccable. Non. Donc voilà, ben, finalement, ça me rassure. Je pensais que c'est la porte qui s'était affaissée. Et c'est pas ça du tout. Hein. C'est simplement lui qui se met pas dans sa position à certains moments. Pourtant, il m'a l'air fixe aussi, mais qu'est-ce qui bouge ici? Lui, il y a une espèce de d'axe qui doit sortir. Bref, ça marche. Non, pourtant, ça me l'a fait à plusieurs reprises. Ça n'empêchait pas de fermer la porte du tout. Hein. Simplement, je sentais un petit choc, une résistance, avant que la porte se verrouille. Ce qui arrive fréquemment, justement, quand les portes sont affaissées, hein, surtout ces grandes portes très très longues, très très lourdes, ça arrive. Non, là, c'est plutôt le système de verrouillage lui-même qui peut-être des fois n'est pas entièrement en place. Bref. Pas grand chose, hein. C'est l'intérieur est très joli, et quand pour rester sur la porte, on voit aussi toute la qualité des panneaux de porte. Les joints aussi sont en très bon état, joints de fenêtre, et là devant on a toute une série de petites commandes. Ça c'est la vitre principale. Voilà, donc ça fonctionne sans difficulté. Ça c'est le petit déflecteur, voilà, qui fonctionne aussi. Et là, on a le réglage du rétroviseur, hein, de l'intérieur, et le verrouillage. Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, hein, donc une jolie porte complète. Très belle sellerie à l'intérieur. L'intérieur est magnifique. Hein. Il est somptueux, en très bon état. Et tout, là aussi, tout fonctionne. Hein. Ce qui fonctionne aussi, c'est toutes les petites lumières intérieures, hein, comme celle-ci. Là. Et même à la demande, évidemment. Voilà, courte des lights. Donc voilà, s'il fonctionne. Là, la boîte à gants. On a aussi la lumière donc à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce qu'on a dedans? Et bien voilà, on a le bon vieux manuel d'utilisation d'époque. Ouh, et un document qui a l'air aussi vieux que la voiture. C'est quoi? Non, je regarderai. Il date de... Ouais, je sais pas ce que c'est. Je vais en prendre une photo. Je vais étudier ce truc-là. Sympa. Voilà. Chauffage, ventilation, j'ai testé. Donc ça fonctionne. Ventilation ici, on a le moteur, hein, le ventilateur. La position defroster pour le désembuage. Et chauffage low and high. Et ça, c'est une ventilation aussi. Mais... côté gauche et côté droit, donc on peut régler séparément les deux côtés pour ça. C'est quoi? Built expressive for flow and hank can line. Donc là on pourrait avoir ici le nom des premiers propriétaires de la voiture. Intéressant, sympa aussi, petite plaque Riviera. Voilà, ouais, de toute façon ça me rappelle un petit peu ce qu'on faisait sur les Lincoln Continental, etc. C'est vraiment, on atteint un niveau de luxe avec ces voitures-là, qui fait que ben voilà, j'étais même un petit peu personnalisé. On a même sa petite plaque personnelle gravée. Une chose qui ne m'a pas l'air de fonctionner, c'est la montre. J'en ai pas parlé, mais